C'est une autre histoire. Ça a commencé en 1974. Je suis né le 11 août. Ça va le micro? Oui. Il est bien celui-ci? Merci. Eh bien, excusez-moi. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, je me sens à l'aise. Je m'entends moi-même. Bon, je vais aller vite parce que vous savez, le temps est plus précieux. Donc, je disais que j'étais né le 11 août 1942 au Maroc et de famille française. Donc là, je m'excuse, c'était la première image qui n'a pas été présentée. C'est Albert Einstein, je ne sais pas si vous lisez ce qu'il y a là, qui disait « Il n'existe que deux infinis, l'univers et la bêtise humaine. D'où, pour l'univers, j'ai un doute. » Albert Einstein. Voilà, ça me convient parce que on s'approche là d'une certaine réalité qu'on ne connaît pas et voilà, tout est là. Alors pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? C'est parce que jeune, j'étais impressionné. Évidemment, je suis né pendant la guerre. Il y avait à cette époque-là les V1, les V2 qui ouvraient les portes du cosmos. Tu passes l'image? Merci. Et je tombe sur cette bande dessinée à Paris, suite aux choses. Et puis là, je crois que j'ai jamais oublié cette image sous différents formes par la suite. Passe. Ah, alors là, ça va être un petit peu long, ça va aller vite. C'est la station spatiale de Verne-Vendôme quand il a fait toujours l'époque des V1 et des V2. Et j'étais abasourdi dans une station, c'est pas la station, c'est station, c'est une station, j'étais gamin. Et j'ai trouvé dans la cour un livre écrit en anglais. Je l'ai ouvert, c'était pas du tout de la bande dessinée, je disais pas anglais, j'étais gamin. Et quand j'étais impressionné par cette espèce d'euro, et j'ai demandé à un collègue qui était là, il était plus âgé que moi, il m'a dit, Yvan, ça, c'est une station spatiale, c'est quelque chose qui existera dans l'avenir. C'est la première fois que j'entendais que ça va exister un jour dans l'avenir. À partir de ça, peu de temps après, je suis monté en haut du Piton, parce qu'il y avait la station au Piton, c'était dans les hauteurs. J'avais un papier à la main, et comme j'avais vu auparavant derrière le Piton des météores qui tombent, j'avais demandé aussi à ce gars qui m'avait expliqué ce qu'étaient les étoiles filantes, qui m'avait dit que c'était des météores, etc. À ce moment-là, je me suis posé la question, il me donnait un cours d'astronomie. Et puis quand j'étais donc à nouveau en haut, je croyais prendre des pitons, il m'avait dit que ne pouvait pas les attraper. C'est vrai qu'au Maroc, la lumière est plus dégagée et on voit les étoiles tomber, on a l'impression qu'on va les ramasser vers les montagnes. Cette impression vive a dû certainement donner une certaine dose de mythicisme. Voilà le piton, la station était là. Entre la station spatiale et la station qui servait de colonie de vacances, il y a quand même des nuances. Mais quand on est jeune, la pensée est parfois très floue. Et puis après, on passe à l'image suivante, alors... Ah, et alors évidemment, après je tombe dans. Parce que toutes les questions que je me posais, alors il y avait Cocardie avec une fusée, il y avait Météore. Aventure de demain, je crois que c'est le magazine préféré que j'ai toujours, qui m'a toujours suivi. Il y avait d'excellents illustrateurs, tout ce n'était pas bon. Oh, Météore était très, 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 très bien. Oui, je parle de. Oui, absolument. Mais il y avait des numéros qui étaient souvent par rapport à comment il s'appelait, je me souviens plus, c'est pas grave. Tintin, alors déjà on voit des ovnis, hein, mais à cette époque-là, on disait que ça existait pas, etc. Alors, comme il y avait ce phénomène-là, j'ai pas capté complètement ce phénomène-là. Il a fallu attendre, passe l'image suivante, merci.
Alors j'explique ça parce que au Maroc, à Casablanca, dans voici une image qui date de 1956, 55 par là, en haut, au-dessus de Casablanca, il y a un ovni qui est passé, qui s'est stabilisé, qui est resté au-dessus, tout le monde regardait, etc. Moi, j'étais pas là ce jour-là, bien sûr. Et un jour, j'ai lu plus tard dans un livre de Jimmy Dieu, Blackout sur les soucoupes volantes, où les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, j'ai lu cette histoire-là. Je l'avais dans la tête. Et un jour, par hasard, où j'habite, je rencontre quelqu'un qui habitait au Maroc et qui me dit, qui me raconte cette histoire, qu'il y avait un objet qui était resté en haut. Et à l'époque, les journaux avaient démenti complètement en disant que c'était. Je ne me souviens plus, je passe. C'est trop rapide. Alors je montre ces photos-là, là, pour vous présenter mon père et ma mère, qui m'ont toujours laissé la liberté de penser librement. Pour ça, je suis peut-être devenu un artiste, un rêveur. Et mon frère qui est là, qui est ici dans la salle, on le voit sur le côté, là, je lui ferai un hommage, tout de suite, là, vous voyez, avec les lunettes. Je lui rends hommage, mon frère, parce qu'il a toujours été mon secrétaire, il m'a toujours aidé à remplir des papiers, parce que moi, à l'école, ça allait très mal. Et alors, en peinture, oh là là, j'étais le premier, j'étais au-dessus du certificat d'études, c'est extraordinaire. Donc, j'étais marqué, et puis ça m'a suivi toute la vie. Voilà, j'ai reçu un coup sur la tête. Ça représente une vie, vous voyez où, ça marche bien. Il y a le pôle qui chauffe beaucoup, ça vole, et je le mets là, et comme ça me protège. Vous savez, pendant fin en ce moment, Bon, je vais. Alors, ça va dire peut-être plus sérieux, mais en vrai, gros lourd. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens que je connais, mais beaucoup à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup d'ufologues que je ne connais pas, je ne sais pas s'ils sont ufologues, etc. Mais enfin, il y a tout le monde. Il y a peut-être un extraterrestre. Bon, allez, vas-y, gros lourd. Ah non, 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 avant. Voilà, excusez-moi. Ça se passe en famille, il faut que j'aille vite. Donc, c'est pas trop long. Alors, vous voyez, j'en ai une, évidemment. Bon, alors, moi, c'est un film que je vois, une femme dans la Lune, c'est quand même curieux. Et là, c'est le vaisseau de Robert. Et ce vaisseau-là, on voit très bien la description du premier étage, du deuxième étage. Et je vois ça alors, dans un village qui s'appelait Taza au Maroc, où j'ai vécu 10 ans. Et vous avez vu la station, où j'ai découvert la station, le spa Boudier, etc. Bon, passe. Ah. Ça, c'est pour vous montrer qu'au Maroc, il y a beaucoup d'architecture moderne et ça m'a beaucoup influencé. Et c'est pour ça que jusqu'à l'âge, je crois, de, on va dire, 25 ans, j'étais dans l'ultra-moderne. C'est ce qui m'a peut-être aidé à faire cette année. Bien sûr, en France, la culture. Alors ça, c'était donc avant l'été. Et là, je découvre un premier magazine qui s'appelait Galaxy, et je voyais un extraterrestre, et je crois que celui-là, je ne l'ai jamais oublié, il est peut-être pas beau, mais je le trouve extraordinaire. Je ne dis pas que je l'aime beaucoup, parce qu'il n'est pas beau, mais je l'adore. Et j'étais à proximité des bases américaines, où je voyais des avions, et la culture américaine qui avait les U-Box, etc., Bilalet, etc., c'est pour ça que j'ai l'impression d'un rocker, j'ai l'impression avec une cravate, je suis toujours comme ça. C'est parce que quelque part, je suis devenu danseur après avoir entendu Bilalet avec. On passe. On repasse. Alors, ah oui, alors là, les Martiens. Alors là, tout ça se dessine toujours à priorité. Vas-y. Pour vous dire que j'ai une culture martienne, je vais poser la question sur Mars. Et là, nous sommes en France, nous sommes rapatriés, mon père avait demandé à revenir en France, au berceau familial. Et là, c'est ma première peinture d'imagination. Parce qu'autrefois, j'étais qu'un figuratif. Alors j'aime bien cet extraterrestre, parce que je ne voulais pas faire un extraterrestre sur le genre humanoïde, etc. Et par contre, le dessin, au hasard, m'a donné l'idée de, comme par hasard, je ne voulais pas faire des jambes, je ne savais pas faire des jambes, je ne voulais pas faire quelque chose d'académique. Donc j'avais mis deux antennes. Oui, il y a deux antennes en haut et deux antennes en bas.
Et ces antennes-là sont antimagnétiques, c'est-à-dire c'est comme les ovnis, bon, bah, un ovni ça voyage en antigravitation, et puis là c'est pas des jambes, ce sont deux antennes qui dégagent et qui se déplacent un peu comme au-dessus de l'eau, ce ne sont pas des ailes, mais cette créature-là se déplace en fonction de planète à la manière d'un ovni. Vas-y, passe. Ça va, oui, ça se passe bien. Ça va, ça va. Ça va. Bon, ça c'est la planète Mars que j'avais dessinée, très jeune. Et c'est l'image qui devait être en avant. Donc c'était. J'étais. Oui, c'est ça, oui, oui. Non, ça se passe toujours au même endroit, c'est-à-dire que ça se passe à Monza. Avant, c'était dans Gers, c'était à Florence. Et puis là, on va à l'hôtel parce qu'on était dans une ferme, on ne voulait pas rester là. Et j'ai dessiné ça. Et au moment où je dessinais ça, quelques temps après, excusez-moi, j'ai fait parasite, il y a des parasites dans la salle, moi aussi je suis un parasite. Donc, on passe l'image. Et là, alors dans cet endroit, enfin, j'ai vu un ovni. Et je ne l'ai pas vu. Je vais dire pourquoi. J'étais ici, dans cette chambre, là. Et j'étais en train de dessiner des choses extraterrestres, là-bas. Et j'entends un cri, là. Regardez, regardez, regardez. Alors, oui, je ne peux pas l'imiter ici, le micro va exploser. Alors, j'ai donc regardé par la fenêtre, et je n'étais pas à proximité de la fenêtre, j'étais au fond de la pièce. Et j'ai vu, à travers la fenêtre, parce que j'étais légèrement décalé, j'ai vu ce mur, pas s'éclairer, mais j'ai vu les ombres disparaître, donc éclairer, mais comme il y avait déjà de la lumière qui venait de là, je voyais juste les ombres se déplacer. À partir de ce moment-là, je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu la dame complètement pétrifiée. Elle disait qu'elle avait vu une boule rose avec une queue bleue ou le contraire, je ne me souviens plus. Et il y avait des témoins, mais par rapport à la dame, mais tous ces témoins ils étaient cachés, là, on ne les voyait pas. Ils étaient cachés par les arcades. Ils sont venus la voir en vitesse. Et elle a dit qu'elle avait vu si l'arbre, je me souviens de ça. Et depuis ce temps-là, justement, je me suis intéressé encore plus aux extraterrestres. Parce que les amis jusqu'à présent, bon, je ne me posais pas trop la question, parce qu'on était vers l'année géophysique internationale, et on allait lancer bientôt aux États-Unis un Sputnik, on parlait pas des Russes, image suivante. Et là, alors, évidemment, Sputnik est arrivé dans l'espace, et beaucoup de dessins ont apparu dans la presse, c'est ce qu'imaginent des stations spatiales qui reviennent, etc. L'image suivante. Et là, alors, il y a un ovni toujours dans la région, alors, où j'étais, quoi, pas loin. Et là, il y a une description qui a été faite par un astronome. J'ai beaucoup d'articles comme ça chez moi, si ça peut intéresser certaines personnes, il n'y a pas de problème. Vas-y. Alors, je voulais vous signaler, non, c'est le début, je voulais vous signaler que on est où? Pas grave. Oui. Alors une fois à Versailles, parce que maintenant j'habite plus là-bas, on est installé à Versailles, et là alors je dessine des extraterrestres. J'ai l'âge, pour avoir fait ça, 15 ans et demi. Donc mes premières extraterrestres sont peut-être un peu bizarres, il y en a des plus beaux, et malheureusement j'ai présenté ce que je pouvais faire de plus martien, parce qu'ici il y a une soucoupe volante. Et ici, c'est un autre martien qui m'intéresse davantage, parce que celui-ci est beaucoup moins proche de la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est voir des humanoïdes en forme d'insectes ou des choses comme ça. Je crois que ça serait beaucoup plus original que voir des petits bonhommes débarquer sur Terre. Parce que les petits bonhommes, on peut avoir peur, mais les insectes, ils ne vont quand même pas nous manger. Ils mangent pas la même, ils viennent pas de la même planète, donc ils ne vont pas nous digérer. Vas-y, passe à la suivante. Ah, c'est fait. Alors là, je ne suis plus à Versailles, je suis dans un château à Saint-Denis où j'apprends un centre d'apprentissage. Et un soir, je vais à la bibliothèque, qu'est-ce que je découvre? Ça, à l'intérieur du livre. Je lis le livre, et enfin, pour une fois,
Je vais croire davantage aux extraterrestres. Ce soir, je rentre dans un atelier de peinture. Et à travers cet atelier, je deviens presque moniteur parce que je dessine très bien et tout. Et je peins un peu à nouveau des choses cosmiques, abstraites. Et je fais des faux Picasso, mais je ne suis pas Picasso dessus. Voilà. Parce qu'à l'époque, je ne quittais pas le figuratif non plus. J'étais partagé entre plusieurs mondes à la fois. Vas-y. Là, c'est un abstrait. Et puis là, c'est un collage que j'ai fait. Voilà, en passe. Ça, ça date de... Ce qu'on voyait, ça datait de 58. Là, on est en 1962, donc de 1958 à 62, je ne vais pas vous raconter ma vie. On a ma première peinture à l'huile. Vas-y, passe. Après, c'est service unitaire, je ne vais pas parler de ça parce que ça serait trop long. Et puis voilà que je continue à peindre après le retour du service unitaire. Moi, je l'ai fait au service unitaire quand j'étais là-bas en gouache, et après, je l'ai fait à l'huile en grand format. Vas-y, passe. Après, oui. Alors là, on est en 1964, et alors je peins un tableau que j'ai appelé Transit de l'âme. Pourquoi? Parce que je rends hommage à Salvador Dali, étant donné que je suis un peintre surréaliste, je rends hommage ici à ce grand peintre. Et la particularité de ce tableau, il n'y a pas encore un message inscrit dessus, et beaucoup plus tard, en 1974, je vais inscrire un message adressé aux extraterrestres, ici. Alors ce tableau, je n'ai pas pu l'amener ici parce qu'il est emblématique. C'est un milliardaire américain qui l'avait acheté à l'époque. Ça, c'est le décor original de la reproduction où j'ai mis ce message bien après. Le milliardaire américain, c'était Ruth Farkas des grands magasins Alexander Stock qui avait gardé ça dans sa collection particulière. Et puis, il avait vendu une œuvre qui se retrouve à Miami en ce moment. Monsieur a disparu. Vas-y, continue. Alors, c'est Joël Dutron qui m'a acheté après, beaucoup plus tard. Ça, c'était pourquoi je le représente là, parce que Joël Dutron avait l'aimabilité pour en acheter 25, mais je lui en ai vendu que 7. Parce qu'il m'en fallait d'autres, il fallait que j'en garde. Et là, alors, ce tableau est très particulier, parce qu'il a été fait en 1970. 69-70. Vous voyez, il y a un fauteuil ici. Et ce fauteuil-là est antimagnétique. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de fauteuil dans l'espace. J'avais imaginé des tubes antimagnétiques. À l'intérieur de ce tube, il y avait des gaz qui passaient. Et ça devenait aussi léger que l'air et ça montait dans le ciel. Le principe du ballon dirigeable. Et comme j'ai vu une combinaison, il ne peut pas passer à travers le. Parce qu'en bas, il n'y a pas de. Entre les deux tubes, voyez-vous, il tient dans le vide parce qu'il est lui retenu par la combinaison et il monte dans l'espace. Pourquoi j'ai représenté Jacques Dutronc comme ça? Parce que c'était la science-fiction, ça m'ennuyait de le voir sur un fauteuil en dosier. Il m'avait demandé son portrait, ça ne m'intéressait pas du tout de le faire. Ça n'avait rien de la science-fiction. Donc je l'ai imaginé et je lui ai mis des lunettes de pointe d'arrêt qui n'ont rien à voir avec lui. Et puis, assorti dans le fauteuil, parce que c'est une question plutôt artistique. On passe. C'est dommage que je suis limité, ça aurait rigolé pas mal, mais là, je suis un peu sérieux. C'est plus facile de rigoler pour moi que d'être sérieux, enfin. Quelle image j'étais avant, c'était pareil. Je ne peux pas faire ce note. Alors, je ne peux pas. Bon, c'est bon. C'était du tronc. Bon, on passe. Alors, j'ai fait des dons aux astronautes avant qu'ils partent sur la Lune. Parce que j'ai toujours été passionné par l'astronautique également. Et on m'a envoyé des signatures. Et j'ai envoyé 9 peintures aux 9 astronautes qui sont partis les premiers sur la Lune. Tu continues? Et là, on voit la peinture plus tard. J'en ai rencontré un qui m'a signé la photo du tableau qu'il n'avait pas, parce que c'est la NASA qui les a gardés. C'est dommage, enfin, j'aurais pas pu se les donner. Vas-y, passe. Alors là, c'est ma première télévision avec Mireille, qui m'avait remarqué, à la maison de la radio, de la télé. Et pourquoi je mets cette photo-là? Parce que
Elle m'avait demandé de faire un tableau et elle a mis ça sur son piano durant le conservatoire, elle m'a fait une présentation rapide. Et c'est là que je parle de l'espace astro-surréel extra-infini. C'est le titre de l'espace astro-surréel extra-infini, c'est en tête de des choses. Vas-y, passe. Ah ? Oui, c'est normal. Ah, d'accord. Alors, ça va être une série de diaporamas que je fais dans les camps de science-fiction et festivals, tant en France qu'à l'étranger. J'ai fait des congrès, et puis alors, j'animais des diaporamas que je faisais, alors, des tableaux, je les étudiais de façon à ce qu'ils se mélangent les uns à travers les autres. Et là, on voit un ovni. Cet ovni s'emboîte dans celui-ci, celui-ci disparaît, c'est celui qui s'emboîte dans celui-ci, etc. Et on voit un objet mécanique devenir plus ou moins antimatière, enfin matière, mais il se dématérialise, peut se rematérialiser autrement. C'était assez bizarre en musique de voir ça aussi avec des sons. Et c'est ces tableaux-là qui sont passés dans les congrès avec quelques mélanges comme ça. Vas-y. Alors je fais des rapports, parce que j'aime beaucoup les rapports, je n'ai pas eu follow-up, mais je me suis amusé à faire ça. Parce que je me suis dit, trop tard, je vais remonter des gens qui ont vu des choses. Et à ce moment-là, je vais leur dire de remplir ces grilles. Et à partir des grilles, je pourrais les remettre à des follow-up, parce que moi, je ne suis pas particulièrement, mais c'était pour aider cette avancée, je pense. Enfin, je ne sais pas. Vas-y. Alors là, c'est Jimmy Gueux que je rencontre dans un grand festival à Clermont-Ferrand. Et il me demande de faire Blackout sur soucoupe volante et soucoupe volante vient de l'autre monde. Il me demande de faire la réédition, de faire les couvertures. Alors voilà, elles sont là, je lui rends hommage. On passe à la suivante. Donc voici Blackout sur soucoupe volante, préfacé de Jean Cocteau, chez Audium Littéraire. Alors ils n'ont pas paru tout simplement parce que j'avais quelqu'un qui voulait faire payer l'éditeur. Et l'éditeur ne voulait pas payer, alors elles sont restées là et maintenant, dommage. Passe. Là, c'est Galaxy, le premier livre de science-fiction que j'illustre. Alors, j'avais fait quelque chose plutôt dans le côté artistique. Bien sûr, j'avais des articles de presse, bien sûr on parlait de moi, à Versailles, un peu à Paris. Mais je n'avais pas encore fait ces illustrations, j'avais envie de faire ça. Et voyez-vous, je fais Galaxy, la revue que j'avais vue quand j'étais au Maroc, ben voilà, là, je suis très fier de la l'illustration. J'en ai fait quelques-unes après les autres. Vas-y, passe. Oui. Ah, oui. Alors là, arrive le premier rendez-vous adressé aux extraterrestres à Versailles. Pourquoi Versailles? Parce qu'à Versailles, vous comprenez, si je fixe un rendez-vous en place de la mairie, les gens vont dire il est fou, on va l'embarquer. Si je fixe un rendez-vous chez moi, ben, on va dire chez moi dans 10 ans, je ne suis plus chez moi, c'est ridicule. Donc je vais prendre la vie au canal historique, comme j'habite Versailles, de fixer un rendez-vous à l'extrémité du grand canal au château. Pourquoi? Le château étant là, vous avez beaucoup de touristes jusque-là. Et après, là-bas, vous avez beaucoup de touristes, et puis là, on est dans un champ. Et l'extrémité du grand canal, voyez-vous, est très dégagé, et puis c'est là, voyez-vous, dans cet endroit-là, le petit point qu'il y a là. Et là-bas, j'ai la paix, personne n'est au courant, personne n'est là à me gêner, je suis en direct, direct avec la nature. Et puis plus loin, là, c'est très amusant, il y a des vaches qui circulent, j'ai la paix. Donc, le message, je vais vous l'interpréter, c'est uranien et humanoïde, des temps, présent, passé, futur. L'espace astro-surréel extra-infini est parvenu à vous. J'attends de recevoir un indice de votre temps par phénomène annexe, surmagnétique, ultrasonore ou corporel, au château de Versailles, à l'extrémité du grand canal ouest. Suivant. Ah, je continue donc de fixer les rendez-vous à l'étranger, au Mexique. Pas spécialement, c'est quand je suis touriste, je passe par là. Et je me dis, il y aura un problème, je ne peux pas quand même ouvrir mon bec et dire, oh, allez, humaine, oui, t'étends, voyez ça devant tous les touristes. Alors, d'un coup, l'idée me vient de faire un genre de truc, genre transmission de pensée.
c'est-à-dire ouranienne, humanoïde, des temps présents, passés, futurs, l'espace, astro, etc. J'ai la paix, il n'y a rien dans les heures où je suis, je pars et je recommencerai. Par tous les pays où je suis passé, j'ai recommencé des appels, je n'ai rien. Mais il va se passer quelque chose dans le jeu. Continue. Alors là, c'est une construction du vaisseau. Là, c'est un taxi de l'espace. C'est ma phobie de l'espace. Et ici, c'est un robot. La seule particularité de ce robot, c'est qu'il marche. Il a un écran de télévision devant, quand il marche. Et sa tête qu'on voit là, non, elle est là, quand on l'a construit, eh bien, sa tête voyage. C'est-à-dire, il quitte son corps, il voyage, il va filmer à droite et à gauche, et il retransmet à la télé. Quand on remarche, on voit un écran de télévision qui marche, et sa tête qui est au-dessus, qui part, et qui transmet à l'écran. Voilà. Et ça, c'est un robot que j'ai introduit dans la bande dessinée, que j'ai commencé en 1974. Et qui n'est pas terminé à l'heure actuelle. Alors ça, c'est Yvon Kerel, le plein des milliardaires. C'était dans la dépêche du midi, suite au Grand Prix d'Europe 1, et parce que j'avais vendu à certaines personnes, tout de suite l'étiquette, mais ça ne convenait pas, c'était pas du tout... Vous savez, l'argent, c'est pas mon système. Si pour tous ceux que j'ai gagné au taux, fantastique. Et si pour casser la tête pour en gagner, non, pas du tout. Donc voilà. On passe les images. Alors oui, donc cet article a aussi un message adressé aux extraterrestres. Pas des milliardaires qui donnent rendez-vous aux extraterrestres. Voilà. Alors là, on a un OVNI qui est dans l'horizon du fantastique. Et on aperçoit ici un personnage qui est très gonflé, on va dire, comme une ampoule de radio, sur une autre ampoule qui sera un OVNI, à l'intérieur, comme une personne à l'intérieur. Et dans un congrès de science-fiction en Pologne, à Poznan, il y a Alexis Leonov, que vous voyez là, le premier piéton de l'espace, qui voit cette peinture. Dès qu'il a vu l'OVNI là, et qu'il a vu cet objet-là, il a fait une tête incroyable. Je vous assure, il a regardé cette chose très impressionnée. Alors, j'ai réalisé après, parce que j'ai su, quelques temps après, je savais vaguement, je me suis intéressé à lui beaucoup, que quand il était sorti dans l'espace, sa combinaison avait gonflé et qu'il ne pouvait plus rentrer à l'intérieur du Soyouz. Et si vous regardez bien, ça ressemble un peu à la Soyouz. Et il s'est mis lui-même là, c'est une interprétation personnelle que je pourrais expliquer davantage, mais ici, le temps n'est pas parti. Vas-y. Ah, alors pourquoi Brigali? Brigali, en face de moi, c'est moi, là. Je vous montre une photo de moi à l'époque, vous avez vu, je suis toujours habillé un peu curieux. Moi. Et je vais montrer Brigali, là où on perçoit le message adressé aux extraterrestres. Je lui en ai parlé. Bon, on n'est pas du tout au même état d'esprit. Mais c'est pour vous montrer aussi que j'ai rencontré beaucoup de personnalités, voilà. Comme vous, même, ici. Dans différents domaines. Vas-y. Alors c'est Jean-Claude Brouet, un autre, qui avait été présent, qui avait présenté Objectif sur les OVNI. Enfin, lui était invité, mais l'animateur, c'était pas du tout lui qui avait fait cette émission. Alors, je ne sais pas si parmi d'entre vous, ufologues, vous étiez là ce jour-là. Il y avait 17 ufologues qui avaient été convoqués, et c'était la première fois que je passais un message aux extraterrestres. Et c'était la première émission des extraterrestres sur Antenne 2. Ici, chez Jean Duguière, bien sûr, maintenant on sait très bien que tout ce qu'il a raconté, c'est un peu du pipeau, mais à l'époque, bon, je ne savais pas, et je lui ai donné un trophée, enfin, lui a donné un trophée parce qu'il a remporté le premier prix, et à l'intérieur de ce trophée, qui était en matière synthétique, donc inusable pratiquement, j'avais dissimulé à l'intérieur des messages adressés aux extraterrestres, dans une boîte. Mais malheureusement, je voulais que personne ne soit au courant, mais malheureusement, la porte s'est ouverte, il y avait le directeur qui était là, et qui avait vu au moment où je glissais la boîte à l'intérieur,
J'ai dû lui dire que c'est d'ailleurs un singe, un des seuls extraterrestres. Voilà, ça c'était pour avoir encore un message qui ne serait pas déterminé par des êtres humains terrestres et qui un appel direct. On peut toucher un être humain. Vas-y. Alors ça c'est les pochettes de disques, toujours pareil, avec ça revient tout le temps. Voilà un ovni, voilà ici. Vas-y. Alors ça c'est un rendez-vous aux extraterrestres, parce que le temps a passé en 94, mais il y en a beaucoup hein, entre les images. Il y a beaucoup de rendez-vous, parce que je voyage aussi. Là, c'est l'extrémité du Grand Canal à nouveau, plusieurs fois. Et là, j'ai déposé donc un triangle, avec une abréviation, puis une allégorie de choses. Et ici, j'ai mis des archétypes d'extraterrestres, que j'ai imités dans les magazines que j'aurais fait. Parce que là, il s'agirait de rencontre de troisième type que je présente. Il y a aussi les premières, les deuxièmes, les troisièmes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est carrément une troisième la plus approximative, de façon à pouvoir faire le pont entre les extraterrestres et l'armée. Parce que l'armée arrive toujours avec des canons ou des objets. Moi, je suis le paysan qui balade dans la nature. Vous savez, on fait des rendez-vous à Dieu, on fait des rendez-vous à des esprits, à plein de choses, je ne comprends pas pourquoi. Physiquement, on ne parle pas avec sa bouche pour s'adresser à des créatures qui sont beaucoup plus évoluées, pourquoi pas. Vas-y. Vous savez ce qu'on prête pour un fou ou pas, pour moi, ça n'a aucune importance. Tu tournes. Alors ça, c'est le journal Notre Monde qui me fait faire des couvertures, j'en ai fait une bonne série. Là, vous avez un aperçu. Et à l'intérieur, je suis dans le journal Notre Monde, je suis au sol, ça va très bien avec moi. Il y a derrière, on parle de bras quelques fois, etc. Vas-y, passe. Alors, ça demande en Égypte, dans la pyramide de Gizeh, en train de fixer un rendez-vous. Alors, je me suis pris en photo. On va voir le look, la casquette, c'est autre chose. Vas-y. Alors là, j'ai passé un décor chez moi, j'ai bricolé pendant 10 ans, 10 heures par jour. C'est dommage qu'on voit mal, évidemment. J'ai passé 10 ans, 10 heures par jour à décorer. Et pour moi, c'est un musée où il y a tous mes tableaux dedans, il y a beaucoup de tableaux. Et c'est, ça peut se visiter si certains d'entre vous veulent venir chez moi. Aucun problème. Ça aussi. Vas-y. Ah, je remets ce, je remets ce schéma, je laisse le long justement. Parce que plus tard, ici, c'est dommage qu'on ne voit pas. Là où j'avais déposé un triangle, eh bien, c'est marrant parce qu'ici, dans la grande étoile, à l'autre étoile, même moi je ne vois pas, c'est incroyable. Il y a un parfait triangle juste où j'ai fixé mon triangle à cette époque-là. Le voilà. Hein. Voilà, donc c'est ici, je fixe rendez-vous. Et regardez ici, un triangle parfait. Qui correspond exactement, point par point, à ce que je suis là. Et j'ai découvert ça plus tard. Au hasard, parce que j'avais lu dans un bulletin le plan du truc, et je me suis dit, tiens, comme quoi que les coïncidences, il faut toujours avoir peur. Mais enfin, bon, c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Bon, allons-y. Enfin, donc, il faut toujours signaler tout. Alors ici, c'est, comment il s'appelle, Irving, un homme qui a été sur la Lune, à qui j'ai donné des peintures, qui me signe la photo. On va la voir, je crois qu'elle n'est pas là, on la voit plus loin. Je crois que vous l'avez vue. Agrandis cette photo, je t'en prie, reviens en arrière. Ouais, reviens en arrière. Voilà, voilà ici, oui, agrandis-moi ça. Là. Alors ici, j'ai M. Daniel Vengeant qui est ici, qui a eu la gentillesse de venir me voir, c'est un des plus grands amis en matière. C'est le gandiné qui a avec ses lunettes. C'est pas un extraterrestre, mais c'est un passionné comme moi de l'astronautique, etc. Et il lisait aussi météores quand il était gamin comme moi. Enfin, je le connais quand même.
Et là, c'est moi. Et je passe un message aux extraterrestres à Méribel, parce que c'est Vengeant qui donc, m'a invité à Méribel des élus. Dans les congrès, j'ai été trois fois là-bas. Et c'était sur l'espace et sur l'aviation. Et je passe donc ce message aux années 28, de temps présent, passé, futur, etc. Je passe ça à la radio. Et les ondes, évidemment, passent en Suisse, vont passer jusqu'en Italie. Et après la conférence, évidemment, il y avait des gens de la NASA, il y avait Jean-Luc Chrétien, il y avait Patrick Baudry, enfin, il y avait beaucoup de personnalités. Tiens, il y a une témoin qui était là, d'ailleurs. Ce jour-là, elle était là, en fait, tu étais là. C'est Myriam, qui... On aura l'occasion de parler d'elle après. Et... subitement, Vengeant, après, me dit, Yvon, c'est curieux, dans le micro, j'ai entendu parler comme quelque chose. Tu peux dire ce que tu as entendu. Fais vite. Même si c'est à peu près ça. Même si c'est à peu près ça, on change par la phrase. Au micro. Vite. Fais vite. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, bien, merci. Oui, donc la station radio était basée en Suisse, parce qu'à l'époque, c'était assimilé à ce qu'on appelait en France les radios libres, et ce n'était pas encore vraiment autorisé en France. Radio Mont Blanc. Donc c'était Radio Mont Blanc en Suisse, oui. Donc il y avait plein de relais. Et nous discutions avec les astronautes américains, il y avait Jim Irwin, il y avait Jean Chrétien pour la France, il y avait Oscar Bo pour l'Allemagne. Oui, enfin, tous ces spationautes étaient là. Gordon Fullerton, je dis à Yvon, tiens, puisque nous sommes à la radio avec un grand nombre d'auditeurs, passe-nous donc ton message aux extraterrestres. Donc, il a annoncé son message, quoi, et il m'a semblé entendre, je ne me souviens plus vraiment, mais... Enfin, c'est sérieux, c'est quoi ce... Non. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà, c'est encore plus extraordinaire. Tout le monde a été surpris. Moi j'ai pas été convaincu. Parce que la régie était sur place, alors on ne sait pas. Et puis en plus, après, il y a eu des interférences à ce moment-là sur la radio. Et ça s'est abrégé comme ça. Voilà. Bon. Ben, merci. Et puis je continue. Vas-y. On n'a pas le temps, on ne peut pas trop les mettre. Oui, alors c'est à combien de années après ça, peut-être un an après ou quelques temps après, je ne sais pas si c'est tard. Alors, Jacques Chirac est maire de Paris, il y a la comète de Halley qui arrive, donc il organise une festivité, et je suis invité donc à la mairie de Paris, me voici là. Suite au congrès, évidemment, suite à l'invitation de Vengeant. Vengeant n'est pas présent parce qu'il était à Angers. Salut à la table. Et puis, je montre cette image parce que, bon, je crois qu'elle a quand même peut-être une importance. Alors, à cette occasion-là, j'ai organisé justement une exposition à Ramal où j'ai invité des artistes par rapport à la comète de Halley. Dans Vengeant, j'étais invité pour présenter ces tableaux également. Voilà. On ne fait pas que Vengeant. Série de peintres. Enfin, on y était quand même. Vas-y. Quatre peintres. Ah oui, c'était pas beaucoup. Il y avait des écrivains aussi. Oui, il y avait des écrivains, tout ça j'ai oublié. Bon, alors là, je vais illustrer Antares. Tous ces tableaux que vous voyez sont bien avant l'apparition. Ils ont des années bien avant. Je ne fais pas des illustrations spécialement pour une revue. Tout ça c'est fait en avance et après on prend. Vas-y, je suis un artiste peintre, je n'aime pas. Mais vous serez quelque chose. Ah, ici, j'étais témoin d'un ovni au Cap d'Agde
dans le camp naturiste. On était dans le camp, et j'ai dit aux gens, viens voir. Non, sérieux, dans le camp naturiste, c'est encore autre chose. Et ça s'est passé en bas du camp naturiste. Je ne vais pas vous dire si c'est passé en place publique. Il faut être humaniste. Je le suis. Alors, j'étais pas à poil ce soir-là, parce que ce soir-là, il faisait frais. Mais il y avait la nuit des étoiles. Vous aviez votre chapeau. Il y avait la première nuit des étoiles. Moi, je n'avais pas encore de chapeau, j'avais un peu plus de cheveux. Vous n'avez pas de vie sur la tête, se cachez pas la canette. Et je vois arriver un petit point. Alors, quand le petit point qui arrive, c'est comme un ange. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'imagine que c'est un statif artificiel qui avance. Je regarde toujours, ça n'intéresse personne. Mais je dis toutefois, viens voir. Il y a un statif qui passe. Parlez, tout le monde a vu les 7 minutes. Sans faute. Puis d'un coup, ça continue à passer. Et puis d'un coup, ce que ça fait, ça venait comme ça. C'est au-dessus de ma tête. C'était le. Sur un angle de 85, ça c'était, au moment où j'ai vu ça, peut-être 85 degrés. J'ai, donc ça venait comme ça de très loin, et je me suis dit, et puis d'un coup, vous voyez que ça faisait comme ça. C'était plus un satellite, évidemment, ça faisait ça, hein, et c'est parti. Alors évidemment, j'ai fait le message, je n'ai pas mémorisé tout ce que ça a pu faire, mais j'ai fait tout de suite, après. Ça fait ça. Alors, à ce moment-là, quand c'était là, j'ai dit, c'est pas un satellite. Je disais que c'était pas un satellite parce que ça allait tourner. Alors j'ai dit, venez voir. Voilà, la voix est montée, ils sont venus voir, et ils ont dû apercevoir la chose à peu près à ce niveau-là. Effectivement, ils ont vu quelque chose qui est parti, mais ça allait tout doucement. Hein, ça faisait comme ça, on avait le temps quand même de. Et puis après, c'est reparti dans le sens. Donc c'était pas une navette spatiale, c'était pas un Spoutnik, c'était pas. Alors on a demandé ça, après j'ai demandé à des ufologues, etc. Ils m'ont dit non, ça ne peut pas être un ULM, etc. Alors c'était le soir, ils disent, on passe, ça c'est trop long d'expliquer. Vas-y. Ah, alors là c'est encore autre chose, c'est beaucoup d'années après, on est en 1993 aussi, à peu près. Et bien, 1993, le rapport est là, c'est ce que j'ai vu en revenant d'ailleurs, je vois. Quelque chose comme ça, mais plus petit de cette grandeur-là, un bout de bras, enfin ça faisait ça. Quoi. C'était à plat, ça passait comme un bec de gaz, ça faisait penser, la lumière était blanche comme ça, et ça allait très doucement. Et je ne vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ce jour-là, il faisait très beau. Il y a un rapport, là, qui était dans la soirée. Et j'ai pensé, parce que voyez-vous, il y avait un arbre là, et après il y avait des bâtiments. Et j'ai pensé avant l'arbre que ça allait disparaître. Au moment où j'ai vu la chose arriver devant l'arbre, j'ai dit ça va disparaître, ben, l'arbre était là. Hein. Et au moment où j'ai pensé que ça allait disparaître, l'arbre était là, cette chose rouge, j'ai pensé qu'elle a disparu. Je l'ai vu disparaître. C'est comme si c'est moi qui l'avais fabriqué. Ou c'est elle qui disparaissait réellement. Mais pourtant, cette chose de démarrage, je l'avais pris pour un avion, un paquet d'horizon, et elle approchait comme ça, c'était très bon. Il n'y avait pas d'autre particulier. Vas-y. Ah, merci, je vous ai compris. Ah, comme ça m'amuse. Comme ça a dû amuser beaucoup de gens. Mais à l'intérieur, c'était très sérieux. Mais les enquêtes, c'est un peu bidonnier. Toujours pareil. Ça, c'est un jour quand on m'a attrapé parce qu'on n'était pas loin du mois de mars. Il y avait une grosse voile. Il fallait bien trouver un extraterrestre pour la presse. Et quand moi je m'intéressais à tout ça et que j'étais un peu loufoque, évidemment, on m'a attrapé, on m'a dit tiens, c'est bon, tu es bon, on va le passer dans la presse. Alors ça a été le début d'une grande chose. Ça. Je rigole pas, mais j'étais dans le ferry du mois. Yvon Carrel. Pourquoi? Parce que dans New Look, non, ça c'est New Look, parce que dans New Look, voyez-vous, c'est nouveau look, alors, bon. Mais ils ne savaient pas que ça allait donner grand-chose. Presque. Alors, après, donc, c'est nulle part ailleurs qui arrive, et qui me présente une émission un peu loufoque aussi,
J'ai dit non, moi je ne sais pas, je veux pas que c'est avoir cette étiquette-là. Je suis un scientifique, etc. Donc je voudrais modifier la situation. Alors je commence à travailler du chapeau, comme il faut, tout, pour passer un message. Ça marche très bien, tout, c'est sérieux. Et je viens à la fin, je me présente devant le château de Versailles. Je dis pas au bout du grand canal, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas aller là. Puis il va falloir qu'ils payent. Donc, Versailles, le campagne astral. Je m'en vais rejoindre les extraterrestres et je vais vers le château. Et puis la caméra filme le déguisé. Ça, c'est eux. Moi, c'est autre chose. On y va ? Oh, c'était que la fin, il fallait voir que j'ai lu. Mais enfin, les messages sont passés, les ont montrés, etc. C'était l'essentiel. Passe. Ça marche ? Ah, Roxwell ! Ah, évidemment, c'était un peu avant Roxwell. J'étais trop courant. C'était en Amérique. Ça devait faire un événement national aux États-Unis. C'est tombé au mois de juin, ça commençait au mois de juin. Cet événement en France. Je n'ai pas parlé, moi j'étais pour vous. Et puis, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais été le martien préparé pour Roxwell. Alors du coup, j'ai été invité là-bas. Je ne parle pas enfantement du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui me représentait là-bas, qui a vu ça, qui m'a appelé. Est-ce que tu vas en faire partie ? J'ai eu. Je ne savais pas qu'il y avait 9 prêtres. Et le 10e, c'était moi, Yvon Carême, un Versaillais, qui devait être invité à New York au congrès, donc. Au 50e anniversaire de Roxwell. Là, alors, la NASA a envoyé, à l'occasion de cette festivité, a fait la même chose, représenter une voiture sur Mars au même moment, parce que ça faisait partie du 50e anniversaire des extraterrestres. C'était en 1994. Je m'excuse si des fois j'ai raté, c'est parce qu'il faut que je fasse vite et je ne sais pas trop résumer. Vas-y. Ah, alors là, c'est encore autre chose. Alors là, je ne sais pas combien de temps je vais avoir, mais en fait, ça ne va pas être facile à expliquer. Alors, un soir, les Marina, mon ancienne amie, qui allait souvent à l'église, qui m'y amenait, et pour lui faire plaisir, j'y allais, et puis un jour, j'en sors de. Je ne sais pas souvent, mais ce jour-là, j'en sors de l'église, je dis, mais c'est incroyable qu'ils ont mis à l'église. Mais c'est. Jamais j'ai entendu un truc comme ça, c'était très très intéressant, vraiment. Elle me regarde, elle ne répond pas, elle me dit « Ah bon ?» J'attendais qu'elle dise « Ils vont en lui. » Elle me dit « Mais il ne peut plus. » Bon, on va aller faire la messe, maintenant on va aller dans le bois. Elle voulait me projeter d'aller dans le bois la nuit. Et moi j'avais peur de rentrer dans le bois. Toujours peur parce qu'on ne voit pas clair. Un jour j'ai essayé d'entrer dans le bois. La nuit, je suis vite ressenti. Donc, je lui dis, on va essayer, à la lumière, tout seul. Je me balade au bord du bois. Et il dit, tiens, on y va. Alors, je dis, oui, si tu veux. Alors, j'essaie d'y aller. Et puis, d'un coup, elle me dit, mais Yvon, elle me dit, tu as peur ou quoi ? Je dis, non, j'ai pas peur. Et puis, à ce moment-là, elle me dit, Yvon, elle me dit, pas rien, c'était. Puis, je l'entends dire, il est invenu. Donc, enfin, les créatures des bois, des forêts. Je lui dis, mais il n'y a pas assez de gens qui fixent des rendez-vous aux extraterrestres pour que toi tu vas fixer des rendez-vous aux feux, aux lutins, etc. Je lui fais. Alors, il me dit, mais tu sais bien comme moi qu'autrefois les fées, les lutins, tout ça, ça pouvait être aussi des extraterrestres miraculeux et qui faisaient des choses. Et puis maintenant, on ne croit plus à tout ça et c'est les mêmes aujourd'hui. Et tu le sais très bien. Alors de quoi tu viens de m'ennuyer ? Elle me dit, ah j'ai comme c'est scientifique, je te crois, vas-y, je rentre dans le bois. Et ma force est revenue. J'allais rentrer, je suis rentré dans le bois vite fait pour voir s'il n'y avait pas des lutins et des fées. C'est incroyable. Mais j'avais peur. Et je sentais, là, voyez-vous, là, sur les mains, l'adrénaline qui passait, je sentais les mains moites. Je tremblais des bois. Et il y a un dessin, je me suis concentré sur ce dessin, en pensant que peut-être, par ma faveur, qu'il y aurait un ovni quelque part, plutôt des fées et du lutin, ça m'aurait bien arrangé à travers. Alors, on est sorti du bois, on a quitté le bois, on s'est assis, on discute un peu, j'ai dit, alors tu as vu, il n'y a rien.
Non, l'entrée, elle habite en bas de chez moi, à deux étages en bas. Et là, en bas, l'étage en bas, les deux étages, je vais chez elle, rentre comme à l'habituel, je suis changé. Dans sa chambre, elle quitte sa chambre. Et là, voilà, quand même, dans le salon, moi, je suis assis sur un fauteuil, la mère est comme toi, assise là-bas. Elle passe comme ça pour voir sa mère, sans être là, quoi. Et puis, d'un coup, il y a une musique qui apparaît. Il y a une petite table au centre, c'est pas une grande table. Et ça tourne autour de la table, ça commence à faire comme ça, ça passe devant mon nez, j'entends, ça passe devant mon nez, j'entends la musique passer, continuer comme ça. La mère dit, mais qu'est-ce qu'on entend? Et puis ça passe devant le nez, puis ça continue comme ça. Et Marina, alors à ce moment-là, suit la musique, puis ça s'arrête. J'ai Marina en face de moi, je lui dis, mais écoute, écoute-moi, qu'est-ce que tu as? Je regarde les boutons, elle ouvre le bouton, je vois la croix. Donc, jusque là, il y a une médaille. Il dit, qu'est-ce qu'il y a derrière le meuble? Alors, mais la lumière, elle prend un objet. Il y avait une hostie dans cette boîte. Cette hostie, je la regarde, et croyez-moi, c'est pas au fait, putain, vous extraterrestres que j'ai cru, c'est un peu à tout. J'avais plus quoi. Et on a discuté avec sa mère après. On savait pas du voisin à côté, du voisin en bas, du voisin, peut-être des sons qui sont arrivés comme ça. C'était un haut-parleur qui passait, la musique était très douce, et peut-être de la harpe, mélangée avec, je ne suis pas musicien, je ne pourrais pas vous dire. C'était pas du rock, c'était pas du Charleston, c'était pas de la musique classique. Je ne peux pas vous dire. Bon, on passe. J'ai pu réussir à raconter cette histoire. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Alors ça, c'est France Inter, au château de Versailles, pas les amis du Grand Canal parce que c'est trop loin, au bord du Grand Canal, en train de simuler un peu un rendez-vous, un interview. Et ça passe sur France Inter avec, avec un astronome des radiotélescopes de lancer. C'est passé sur France Inter, il y a eu un passage comme quoi je passais des messages aux extraterrestres. Ça m'a fait une belle jambe, croyez-moi, sur des petites aventures comme ça. C'est pour que c'est pas dit. Vas-y, continue. Alors ça, c'était avant Roswell, l'histoire aux États-Unis de Roswell. J'ai fait le tordu au Grand Canal, ce n'était pas un rendez-vous aux extraterrestres. Jamais je me suis habillé comme ça pour donner un rendez-vous aux extraterrestres. J'avais simulé un extraterrestre, plutôt au Grand Canal, au fond. Et j'avais ma famille qui était venue me voir, et qui avait été photographiée, filmée, on m'avait bien rigolé. C'est une histoire de rien. Et j'ai rencontré, je fixais la route. Et comme par hasard, suite à ça, il y a l'histoire de Roswell qui a commencé aux États-Unis, et après j'ai eu tout mon parcours de ce que je vous ai raconté, parce que je ne vous ai pas raconté que je suis passé dans le VSD, d'enfant de télé. Et j'étais beaucoup dans les médias, donc je suis très connu, plus en tant qu'extraterrestre qu'en tant que peintre. Que... Enfin, en tant qu'extraterrestre. En tant que... Peut-être artiste, moitié extraterrestre, moitié. Alors, ce qui est fou de cette histoire, c'est qu'il y a l'agence de presse internationale, non, l'agence de presse internationale concernant les pays d'Europe, qui est le temps dessus, évidemment, parce qu'on avait vu des petits bons humains. J'étais quand même assez connu. Et du coup, je me retrouve au 7e événement de Paris. Alors ça, c'est un grand titre, le 7e événement de Paris, pour moi, que j'avais digéré. Il doit y avoir plusieurs 7e événement. Mais il paraît que je suis appelé une dame diamantaire, une princesse, qui taillait des diamants, qui avait été représentée. Et puis moi, je passe après. Je me rends envie, à quoi je crois bientôt. J'arrête. Bon, on y va. On court. C'est fini? Ben oui, ah, c'est pas vrai. Oh, si j'ai fini, les conneries. Metteur en mail. Combien? Metteur en mail. Oh là là. Il va y avoir des questions. Ah oui, alors j'aimerais avoir des questions, parce que j'aurais aimé des questions. Mais combien de temps on a pour les questions? Une demi-heure. Combien? Une demi-heure. Oh, c'est formidable. Merci à vous. Bonjour. On va avoir un petit peu. Bienvenue, excusez-moi, de ne pas l'avoir annoncé. Comment ça se passe?
comment ça se fait que vous faites des tableaux il y en a un qui est dans le même, c'est pas grave. Aussi petit, en dimension, c'est-à-dire plutôt dans le sens vertical, ah. Alors que tout ce qui est écrit, j'ai rencontré Jimmy Dieu dans un château dans le Bordelais, j'ai eu une femme qui est qui voyage. Oui. Et moi je fais un mec artistique, je chante et je rencontre beaucoup de gens qu'on dit en fond des peintres. Oui. Et je travaille avec sur des opéras, des gens en Russie, des temples russes, ils avaient des spectacles venus, des Américains, je travaille avec Jean-Paul Bogart, qui sont passionnés par les ovnis, il y a même un ministère aux États-Unis qui font des agents. Oui, c'est vrai, alors que vous faites des tableaux aussi petits, par rapport à chez vous, vous avez nettement plus grand. Et comment vous savez que vous restez toujours sur le même ton de lumière, comme un impressionniste ou un peintre des écoles allemandes ou des écoles Oui, mais je vois où vous voulez en venir. Je voulais vous dire que. Oui, donc il a une tête. On sait plus où on va, vous et moi d'ailleurs. Donc, c'est vrai que. Alors, il y a quelque chose qui va vous intéresser, monsieur, et monsieur, à juste titre, a bien raison. Parce que quand il voit ces deux tableaux, ils sont grands, là, les deux grands. Mais j'ai des toiles beaucoup plus grandes que ça, que je ne peux pas amener ici, mais j'ai des grandes toiles. Alors, j'avais préféré amener des photos, et dans les photos, il y a des grandes toiles comme ça, il y en a des plus grandes. Hein. Dans le prix de repas, là, c'est toi qui fais ton écran, là, presque. C'est un peu ça. Donc je préfère les grands formats. C'est vrai que tout l'espace. Souvent, c'est pas commercial. Ben, en France. Tous les peintres que je connais qui sont des peintres qui travaillent sur le mystique. On vous entend. Sur le mystique, moi, j'ai pas besoin. On vous entend. On a fait le micro. Tous ces peintres, en général, travaillent sur des dimensions qui. Et moi, je trouve aussi que c'est tellement fort tout ce qui touche à l'interplanétaire qu'il faut le faire que les gens soient moins naïfs absolument. Et prennent moins ceux qui ont vu quelque chose pour des fous. Je suis entièrement d'accord. D'autant plus, monsieur, que c'est ce que je préférais. Seulement, pour des raisons commerciales, on m'a dit non. Oui. Excusez-moi, là c'est parfait. Génial. D'accord. Tu bouges plus, t'es extra. Quant à la deuxième question, rappelez-moi là. Oui, c'était sur le fond, vous savez, quand j'ai un petit peu regardé. Oui, mais c'est bien déjà. Vous travaillez beaucoup sur. Je vais être mauvaise langue. Non, mais dites au contraire. Oui, parce que voilà, si j'utilise, voyez-vous, comme l'école des Beaux-Arts, la lumière vient de là, j'en ai fait des tableaux comme ça, etc., etc., on va pas se rapprocher du rêve, on va se rapprocher de quelque chose qui est concret. Là, on est dans la pesanteur. Ce que vous voyez, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la première vie, quand les Américains, ils ont présenté la capsule Apollo, oui. C'était visitable. Moi, j'ai fait partie, comme mon père était officier de l'armée, j'ai eu le droit de monter dans la capsule Apollo où était Armstrong et le président 3, John Williams. Quand je regardais dans tous ce qu'ils avaient fait, ce que l'armée américaine et la NASA avaient installé, et que je regardais les véritables lumières de la Lune, ce qu'ils avaient ramené, c'était immense, c'était payant. Hein, j'ai vu ça à Paris, j'ai vu ça à Bordeaux, la place des Quinconces, j'ai vu ça, j'étais en tournée. Oui. Et je vais vous dire un truc, la lumière, ça, c'est pas une lumière comme la lumière des tableaux. C'est une lumière sur le à blanche, et on a l'impression de ne plus exister. Voilà. Oui, moi, honnêtement, en regardant les tableaux sur Internet, je vais trouver, si je mets plus de lumière, quelque chose de magique, parce que voilà, il n'est pas habitué. Et c'est ce que je préfère. Une lumière phosphorescente. Oui, mais c'est ça. Mais moi, j'adore ça, l'artificiel. Si je pouvais peindre directement un tableau avec la luminosité sur Internet, ça serait génial pour les tableaux. Mais quand
que les photos sont trop sombres, c'est pas des photos de haut de gamme. Et puis là, ces tableaux qui sont exposés là, n'ont pas de lumière, donc c'est quand même triste. Ça va quand on les met sous les projecteurs, alors là, ou au soleil, alors là, je vous rejoins, monsieur. Alors comme vous êtes du cheval au niveau des arts, hein, le cheval doit jaillir. Non, mais c'est bien. Mais nous avons le même point de vue. Le problème, c'est que, le problème là, c'est que on n'est pas dans une salle d'exposition, on a des projecteurs dessus, etc. C'est une évidence. Quant à l'évolution que j'ai eue aux Beaux-Arts, on m'a dit surtout pas rester, c'est bien le directeur des Beaux-Arts de Versailles, qui m'avait dit surtout pas rester, j'allais perdre mon imagination, d'aller à la ville à Paris, dans le cours supérieur, et on m'a dit là-bas, René Aubert, nous connaissons, si vous a dit de rester pour Beaux-Arts, vous allez perdre votre imaginaire. Et il y a une peinture, il y a quelques peintures qui sont assez terre à terre, où j'ai pris le principe de mettre le soleil à droite pour éclairer à gauche, etc., pour vous faire un peu de densité. Or là, dans les tableaux, on ne se rapproche pas de la photo. Or, ce que l'on voit là, ce sont des photos. Donc la photo enlève cette part de. Elle est trop contractée par rapport à la matière qui est beaucoup plus légère. Donc, j'ai une peinture qui est à la fois vive parfois, mais qui en photo perd. Et là, je lui dis, on perd beaucoup. C'est des tableaux que vous faites d'une seule couche ? Je travaille couche après couche. C'est-à-dire, je fais le fond, après, je travaille suivant. Je ne fais pas ça directement. Ça m'est arrivé, il peut peindre une partie. Mais et je préfère mieux. Je vous remercie de mes questions. Mais on n'a pas le temps, monsieur, au contraire, parce que c'est ce que je demande, justement. Qui parmi vous peut m'amener quelque chose? Je voudrais m'adresser à vous deux, puisque vous êtes un artiste aussi, et à vous, monsieur Carrel, puisque par revenir à l'ambition de donner une vision globale du phénomène OVNI, aujourd'hui, c'est la parole aux artistes. D'habitude, ce sont plutôt des techniciens ou des psys. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artistes, et ce que j'aurais aimé entendre, ce n'est pas en fait l'art pictural dans sa technique, mais c'est la différence de mental, d'approche que peut avoir un artiste par rapport à un technicien. C'est la grande question, et je m'adresse à des artistes pour essayer de répondre. D'après vous, d'après les rencontres que vous avez pu faire, les échanges, qu'est-ce qui vous est apparu évidente comme différence avec vos interlocuteurs? Peut-être une perception, enfin, c'est ce que vous allez me dire, je ne sais pas. Très honnêtement, je pense que ce monsieur a été à l'école, donc je pense qu'il a parfaitement raison dans les règles académiques, mais en définition, quand on va je veux dire, dans l'espace cosmique, etc., on a différents aspects de lumière, de reflet, et justement, le gros problème, c'est que quand on fait par exemple une théière, s'il y a de la densité, si l'éclairage éclaire vers la gauche et qu'il se trouve à droite, on a l'impression que ça atteint la réalité. Par contre, si on va faire des choses imaginaires, curieuses, etc., on ne va pas pouvoir mettre la lumière. Pourquoi? Parce que la matière, notre cerveau l'identifie, il va identifier une théière qu'il a vue, il va voir ça en tableau, il va faire la relation. Et quand on voit une forme qui est inconnue, alors à ce moment-là, on perd en matière. Pour avoir du noble, il faut faire soit du bois, soit du marbre, des matériaux qu'on a l'habitude de faire. Tout ça, c'est académique, c'est ce qui fait tourner dans la toile. Mais dès l'instant où on attaque des matériaux qui s'intéressent, on ne peut pas les représenter. Si je représente de la pierre, ça sera de la pierre. Si je représente, alors que si je fais une œuvre, on va dire comme ça, un bâton d'Ali, en travaillant à plat, c'est comme lui que je travaille. Je travaille comme la technique du Moyen-Âge, par un plat, et bien là, on a justement, on perd beaucoup, je veux dire, c'est pas du bête, c'est pas tout ça. Mais là, on rentre dans la technique, et je préfère mieux une autre technique, c'est ça, je l'imagine. Mais je ne suis pas convaincant, pour autant. Et Yvon, pour répondre peut-être à la question de monsieur, au festival d'astronautique que nous avions eu, une table ronde, entre les 6 artistes spécialistes de la science-fiction et les astronomes et astronautes et cosmonautes qui étaient là, parce qu'il y avait des Russes aussi. Donc nous avons eu une table ronde en particulier, je disais tout à l'heure, avec Jimmy Henry, Neville,
pour l'Allemagne, dans d'autres régions pour la France. Et donc, bien sûr, nos questions tournaient autour de comment ils pouvaient nous raconter l'espace, nous raconter la couleur, la lumière de l'espace, la réalité de l'espace, puisque eux, ils y sont allés. Et nous avons été très déçus, je dirais, parce que Jim Irving, qui était dessinateur et un peu peintre amateur, quoi, a très bien su nous expliquer la chose. Et dans l'espace, nous n'avons pas la notion des trois dimensions, puisqu'il n'y a pas de repère. Et donc la couleur est diffuse partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire, c'est très triste, paraît-il, très sombre, très pauvre de relief. Ça ressemble, on dirait, presque à un camaïeu que les étudiants pourraient faire à l'école de Beaux-Arts. Alors maintenant, nous, se faire interpréter l'espace, écouter, je crois qu'il faut rester avec nos rêves. Et puis, ça soit une prière, un poil, un gros, vers le jour, on s'en fout un peu. Là, nous, on veut garder notre part de rêve qui nous appartient. Oui, sans aller jusque dans l'espace, je crois que quand on voit une œuvre abstraite, justement, on n'a plus cette notion de lumière qui vient de la gauche vers la droite. C'est une œuvre spontanée. On prend un pinceau, et vas-y que je t'en mets une tarte, etc. Donc c'est un peu ça en fait. On ne cherche pas à être technicien, on cherche à avoir une excellente technique au niveau, je veux dire, de finition, parce que c'est ce qui m'intéresse. Quand tu as posé la question si je dois mettre une ombre, etc. en bas, ça ne m'intéresse pas, parce que l'ombre, il faudrait juste la poser, ça va donner un côté réaliste, c'est vrai. Mais je pense que dans une œuvre imaginaire, quand on voit Salvador Dali, par exemple, faire un tableau, et mettre par exemple un sujet et mettre l'ombre plus loin que le sujet. Non, mais vous vous faites penser à Salvador Dali. Voilà, surréaliste. Oui. Dans le fond de vos tableaux. Surréaliste. Tous vos tableaux, tous. Oui. Oui, non, mais à juste titre, il y a du surréalisme. Ah, ouais. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Quand il y a l'âge de Breton, c'était la mode du surréalisme. Donc, c'était une époque fou, il fallait faire le fou. Bon. Et après cette époque de mode de surréalisme, Dali est encore vivant, il a continué donc le surréalisme, parce qu'il était capable de faire que ça, et c'est pour ça qu'il a été très connu, parce qu'il a pris la place de tout le monde, parce qu'il a continué, enfin en quelque sorte, excusez-moi. Mais pourquoi le surréalisme à l'époque de Dali? La mode était terminée, mais Dali était là, il avait toute une histoire, il avait encore beaucoup de choses à faire. Il est resté, il a percé parce que le mouvement n'existait plus, ou sinon, beaucoup faisaient du surréalisme. Et moi, quand j'ai rencontré Salvador Dali, qui m'a complimenté, qui m'a dit « c'est très psychédélique qu'on m'a fait ça », quand vous avez Dali qui vous dit ça, vous dites « bon, bah, s'il m'a dit ça, bon, j'ai tout à... bon. » Donc, si je continue le surréalisme, comprenez, c'est parce qu'il n'existe plus à la mode. Il n'est plus à la mode aujourd'hui, et le surréalisme, justement, comme il n'est plus à la mode aujourd'hui, et qu'on le remet au bout du jour, avec les ovnis, on est plus proche du surréalisme avec les ovnis que dans la technique. Et je crois que celui qui a parlé tout à l'heure, je ne sais pas, M. Peter, a exactement ciblé, entre nous deux, quoi, cet aspect, on va dire... ouvert dans cette situation. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, et ce qui m'ennuie beaucoup dans la peinture, malheureusement, c'est que la peinture a ses limites. L'état pictural, pour nos yeux, ont des limites. Et on ne peut pas déterminer les matières extraterrestres. Moi, je me vois mal imaginer, à moins de faire de l'abstrait, mais mettre sur la peau de quelqu'un une matière inconnue. En peinture, c'est ni plus ni moins de la peinture, tout aura déjà été fait. Bon, je crois que maintenant on n'est que dans les voies de l'imaginaire, ou dans l'abstraction, on va dire. Il y a une question. Oui. De ce côté. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais rester sur le terrain ovniesque. Tout à fait. Ovniesque. Et non pas la technique de la peinture, que j'apprécie, mais ce soir, c'est autre chose que je perçois. C'est la deuxième fois cette année que nous avons affaire à un artiste
présente donc un aspect particulier de l'investigation dans ce domaine. Première fois, c'était un film vidéo absolument intéressant puisque elle montrait cette vidéo, ce que vit quelqu'un, mais en caméra totalement subjective. Et ça, c'était quand même très informatif, très nouveau pour beaucoup de gens. Vous, vous avez donc évidemment un parcours différent, mais nous vivons une époque vraiment particulière, parce que depuis de nombreuses années, c'est un peu comme les masses d'air qui s'opposent, et bien c'est l'autre pression. Il y a un effort depuis, en particulier, depuis les explosions des bombes atomiques qui ont généré un surcroît de visites, je dirais, à la suite de Hiroshima, etc. Et donc il y a un effort de divulgation et en même temps un effort d'éteignoir de la part des autorités. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période tout à fait intéressante où ce mouvement vers la divulgation prend une ampleur nouvelle, je dirais même qu'on n'attendait plus. Alors ce mouvement vers la divulgation traverse les médias pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas développer ici, au niveau des nouvelles chaînes de télévision, etc. Et toutes les personnes qui font partie de ce mouvement vers la divulgation, à mon avis, elles sont plus, alors consciemment ou non, elles sont pilotées par quelque chose qui leur est extérieur. Bon, moi je suis un investigateur amateur, mais bon, il se trouve que les circonstances me confrontent pas quotidiennement, mais presque à des événements dont je dois tenir compte. Vous nous avez parlé quand même que vous nous avez dit que toute votre vie a des moments différents, comme les cailloux qui poussaient. On vous a fait des petits coucous. Oui. Et puis, votre talent incontestable a traduit, disons que vous êtes inspiré, mais il n'est pas certain que cette inspiration vous soit complètement une démarche totalement personnelle. À mon avis, vous faites partie des gens qui ont été choisis pour une certaine forme de divulgation, comme il y en a d'autres qui le font par d'autres moyens, et votre présence ce soir témoigne de ce mouvement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que, depuis longtemps, vous êtes promu à ce mouvement général dans votre domaine particulier. Oui, je pense que ça a commencé aussi tout jeune, on était dans une nouvelle ère, les Allemands ont volé l'espace, on était en 1942, trois mois après ma naissance, ça a commencé, bon, j'ai vu mon père avec une carte sur le mur en train d'expliquer le débarquement, gagnant père, enfin, c'est les premières images que j'ai vues. Alors peut-être que on a dû parler beaucoup des VR et des V2, et que je ne savais pas ce que c'était qu'une fusée, que peut-être le premier vaisseau qu'on voit au début, là, m'a absolument stupéfait. C'était des demi-images qui paraissent dans le subconscient, et après on les voit en réalité. Êtes-vous certain de ne pas avoir été plus jeune, abducté ? Comment ? Ah, j'ai pas. Est-ce que vous êtes certain que vous n'avez pas une fois été abducté, c'est-à-dire, est-ce que enlevé. Dans votre vie, enlevé. Oui, oui, oui. Ah. Oui. Parce que, à mon avis, vous avez tout à fait profité. Bah, écoutez, si vous êtes si doué que ça, monsieur, merci, parce que j'ai mémoire d'une chose, mais je ne peux pas vous dire, mais enfin, j'ai l'impression d'avoir été changé de perso. Merci. Et depuis le début. On approfondira pas ce soir, mais enfin, ça sera intéressant de. Ah non, j'ai vu que vous
cette question. Vous êtes extra lucide, vous êtes un petit coup, vous êtes, je ne sais pas, enfin. Non, mais j'ai l'habitude de rencontrer ce genre de profil, dirons-nous. Ah oui, oui, c'est fort. Excusez-moi, je suis très étonné de faire partager ça. Enfin, c'est une bonne nouvelle. On a une question par ici. C'était pour savoir, vous disiez tout à l'heure, à un certain moment, les centres de l'Académie des Beaux-Arts, vous ont dit, donc je ne sais pas, est-ce que c'est déjà à l'époque ce style correspond à cette toile-là, ils vous ont dit que. Il vaut mieux que vous ne gâchiez pas votre imagination en restant à Beaux-Arts, oui. Il vaut mieux aller ailleurs. Est-ce que, à votre avis, ce problème qui est donc de l'académisme et de passer aux autres formes surréalistes, c'est ce qu'a fait Van Gogh. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, sur une étoile comme celle-ci, qu'est-ce que. En restant aux Beaux-Arts, qu'est-ce que les Beaux-Arts auraient pu s'exiger à restreindre les formes n'auraient pas été appréciées par l'Académie de Beaux-Arts. On l'a apprécié, puisque avant 68, j'allais aux Beaux-Arts en 68, et c'est là qu'on m'a dit ça. Donc déjà, il y avait cette évolution dans l'esprit des professeurs, mais je pense que. La mode des choses traîne toujours. Et c'est à partir de 68, on me dit, t'as fait ça avant 68. Je dis, évidemment. Pourquoi? Parce que l'espace cosmique, on se dévoie. Et que l'espace cosmique, ça peut être que vu par l'imaginaire. Je vois pas comment on pourrait avoir l'espace cosmique ici. Donc on se rend pas, qu'importe, c'est de l'art. Voilà, ok. J'ai donné des explications à certains de mes tableaux qui sont pseudo-scientifiques. Parce que j'aime la science. Mais ça ne regarde que moi, je rigole des fois. Il y a des tableaux, ils n'ont pas de titre parce que c'est sans titre. Parce que si ils ont un titre, je tombe en rond. Donc ça ne sert à rien. Inutile de donner des titres. Parce qu'un titre, c'est thérapeute, c'est des mots. Mais là, ce tableau-là, je l'appelais préexistence stercotomique des deux planètes. Alors moi, ça me fait penser à Lévi, quoi. C'est surréaliste. C'est des associations de mots. Inventé, qui veut dire quelque chose, mais c'est pas académique. Ça n'a jamais été déclaré, il n'y a pas d'écriture à faire à ce niveau-là. Alors, préexistence, terre cosmique des deux planètes, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour moi, c'est un vaisseau cosmique qui tombe sur la Terre, sur une planète, on va dire, qui a dérivé, et à un moment donné, il tombe, il apporte des microbes, d'autres microbes qui sont en bas, et c'est de la microformie, c'est. Une transformation de bactéries des une planète transformée avec les autres, et on va faire un mode de culture complètement différent. Et voilà ce que ça veut dire. Bon, comme un titre qui s'appelle Découverte de nos radiophonies par les extra-infinis. Alors, les extra-infinis, c'est pour ça. Parce que déjà, l'infini est proche, c'est quelque chose qui est infini, comme l'infiniment petit. Donc, quand on parle d'extra-infini, ça peut être après la mort, parce qu'on n'est que dans l'atome et que dans la lumière, et qu'on a des yeux. Et qu'on se déplace dans la matière. Et quand on meurt, peut-être qu'on est dans une autre. Dans un espace-temps qui n'a plus rien à voir avec la matière et l'atome. Bien sûr, ça peut être le paradis, ou l'enfer. Mais ça, bon, on s'en fout. Le problème, c'est de. Je crois qu'on est des boutons en permanence, puis ça va beaucoup plus vite après la mort. Peut-être qu'on a vécu avant les spermatozoïdes. Dans d'autres univers. Donc il y a des interférences dans la vie, il y a des interférences dans l'espace. Quand j'utilise la croix, bon, pour moi j'associe tout de suite à la religion, donc elle remonte bien avant. C'est la connexion des énergies, on va dire. Vous avez une parallèle qui arrive, vous en avez une autre, ça forme un X, ça veut la faire parfaite. Bon. Telle énergie qui rejoint telle énergie va changer d'énergie. Et là, on a l'énergie ou la biologie. Et là, dans l'univers, il y a des croix qui se passent partout. C'est pas parce qu'on croit à quelque chose que
qu'on doit croire, parce qu'on doit passer par la croix de la religion, c'est pas du tout. Alors quand on parle des ovnis, on dit tu crois pas. Non, probabilité. On est plus proche des ovnis en disant probabilité qu'en disant je crois ou je crois pas. Quand je dis je crois, par exemple, je vais dire à quelqu'un, tiens, là-bas, derrière le bâtiment, il y a quelqu'un qui est en train de marcher. Si je vois pas derrière le mur, il se peut qu'il marche. C'est une réalité. J'ai pas la preuve. Et moi, je crois qu'il faut être là au bon moment pour avoir la preuve. Tout le monde n'a pas la preuve. Et ce qui compte toujours, c'est le nombre des gens, c'est la masse. Il faut bouger les masses. Après, on doit évoluer, bouger et avancer. Parce que c'est les autres qui doivent bouger, c'est pas nous. Nous, on a une certaine hauteur, on ne va pas égager la masse. Si la masse évolue, automatiquement, elle fait évoluer. Donc l'état d'esprit est toujours très lourd. Et obéit aux lois de la gravitation. Et l'espace, on est depuis pas longtemps, il faut ajouter qu'on est depuis pas longtemps dans l'espace, 50 ans. Donc on voit les difficultés qu'on a, donc cet espace n'est pas tout à fait comme ici. Et c'est ce qui va nous permettre de, peut-être de découvrir des choses qui sont beaucoup plus incroyables que de croire, toujours croire autrement. Y a-t-il encore des questions ? Sans preuve, évidemment. De toute façon, c'est Einstein qui a dit la phrase que vous avez vue tout à l'heure. Vous l'avez lu ? Vous l'avez lu ? Bon, je crois que c'est clair. Et là, j'ai un truc que je pourrais ajouter. À côté des avions qui cherchent à avoir des morceaux d'ovnis, depuis longtemps, à travers la guerre, ça les a peut-être plus effrayés. Enfin, ça, au cas où, c'est la vérité. Il y a une phrase que j'aime bien, à côté des avions, là où il n'y a pas d'amour, je dis bien, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous trouverez de l'amour. Je crois que ce n'est pas le cas de... Nous, on prend les extraterrestres pour des dieux, pour des anges, ce qu'on nous a dit. Avant, on disait que... Non, autrefois, on disait que, bah oui, il y avait des anges. Je veux dire, je suis d'accord. Mais là où, quand on a affaire à des choses inconnues, il ne faut pas arriver avec un fusil, parce qu'on vous présente des corps. Regardez, un jour, j'ai dit dans au congrès luciférien à Paris, on m'avait invité, parce que j'avais un tableau, qui est là, avec luciférien, c'est Georges V. C'est fantastique. Quand j'étais là-bas, Jean-Paul V, j'ai mis un tableau. C'est Jean-Paul Bourg, je lui rends hommage, qui m'avait invité à cette chose. Et bien là, j'ai dit, écoutez, moi, vous me présentez un diable actuellement avec des cornes, il ne me fait pas peur. Le diable ne me fait pas peur parce qu'il a des cornes. Moi, je présente ma mitraillette. Au Moyen-Âge, les cornes faisaient peur. Mais non, ça ne fait pas peur. Et si on veut inventer des démons à l'heure actuelle, on pourrait en inventer des plus fous que ça. Je crois que dans Internet, il y a des millions de trucs sataniques. Son corps. Bon, j'arrête, je ne suis pas. Oui, alors, je suis pas une fois pour autant. Bon, je ne sais pas. Non, on va te remercier. Je ne sais pas si ça passe. Si ça passe. On va remercier M. Carrel de cette soirée. Merci à vous. Et tout en plateau, c'est déjà le but de Laurent, un petit temps, et comme nous avons pris parti de toucher à tout ce qui touche le phénomène OVNI, on se devrait obligatoirement de l'inviter. Oh, ben merci. C'est incontournable.